Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Lucet qui est derrière la caméra. Bonjour. Vous le verrez dans une autre vidéo pour une session sur plusieurs jours. Donc on va vous faire plein de petites vidéos sympas. La première vidéo, ça nous a été beaucoup demandé en com sur la vidéo Feeder qui se retrouve juste là. Si vous l'avez pas déjà regardé, elle est top, allez la voir. Pour savoir comment pêcher des poissons un peu plus lourds tout en clippant votre fil sur le moulinet. A savoir que si vous clippez votre fil en pêchant des poissons un peu plus gros, bah, vous avez un risque de casse plus important. Donc là l'idée c'est qu'on vous montre une technique pour éviter ça tout en ayant cette régularité de lancer en clippant votre fil. Donc allez c'est parti. Ok, donc là on est au bord de l'eau. L'idée c'est quoi? C'est qu'on veut lancer à peu près je dirais 4,50 m du bord. Pourquoi? Parce que on a sondé avec le dipper et on a vu qu'il y avait une petite cassure, donc on peut se mettre un peu juste avant. On pense que ça peut être sympa. Donc du coup l'idée c'est quoi? C'est déjà de lancer une première fois pour avoir la bonne distance de lancer. Ensuite, on va venir du coup clipper, sauf que on va venir clipper à l'élastique. Effectivement, à 3-4 mètres en face de la bordure, on sait à peu près qu'il y a une cassure, donc c'est là que j'aimerais aller. Donc du coup, je vais lancer une première fois pour vraiment avoir la bonne distance. Voilà, là on est bien. Donc du coup, je garde bien la distance et je viens clipper une première fois. Ok, donc là je viens de lancer, vous l'avez vu, j'ai bien lancé, j'étais content de moi, donc j'ai clippé à la bonne distance sur mon moulinet pour la première fois. Et maintenant l'idée c'est de venir dérouler tout le fil pour ensuite venir trouver exactement là où j'ai clippé le fil. J'ai trois élastiques, là vous devez les voir, deux de petite taille et un de grande taille. Pourquoi? Parce qu'on va venir en fait mettre une butée avec les deux petits élastiques et au milieu, là où j'ai clippé, venir mettre le grand élastique qu'on coupera à ras ensuite. Donc là, j'ai mon petit poteau Lucet qui m'aide pour dérouler tout le fil. Vas-y, tu peux y aller. Donc vu que j'ai lancé assez loin, forcément, il y a beaucoup de fil. Ok, on y est. Donc là, voilà, ça vient faire buter directement, on a bien clippé. Et donc, là, je vais déclipper, je vais mettre un premier élastique. Donc en fait, il y a juste à faire un nœud autour du fil. Le premier élastique, je vais le mettre à peu près à 7-8 cm au-dessus de l'endroit où j'ai clippé. Et je viens faire un nœud, tout simple. Donc là voilà, je viens de déclipper, je mets le grand exactement à l'endroit où je viens de déclipper. Hop, pareil, je fais un nœud. Voilà, donc j'ai fait le nœud, je viens bien le repositionner là où j'ai clippé. Bon après on n'est pas non plus au centimètre près, mais tant qu'à faire, autant le faire bien. On serre bien. Hop, donc là le nœud il est pris autour du fil. Et je reprends mon dernier petit morceau d'élastique et je viens ensuite, pareil, faire un petit nœud à peu près 7-8 cm derrière cette fois-ci. Voilà, donc là on va bien serrer l'élastique autour du fil. Là c'est bon, c'est fait, c'est bien serré, on peut le voir. Ok, et maintenant je prends un petit ciseau et je viens couper vraiment à ras l'excédent d'élastique. Sans couper le fil c'est mieux. Et de 1. Hop. On vient faire pareil sur le premier qu'on avait mis, donc le petit, le deuxième petit. Et voilà. Donc voilà, j'avais mis à peu près 7 cm de chaque côté pour avoir une liberté d'action plus importante et plus d'aisance. Et maintenant, je viens les rapprocher autour de celui du milieu. Voilà, donc ça glisse nickel. Hop. Donc on va bien les coller. Voilà. Là, c'est nickel. Ok, donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de venir simplement clipper les deux morceaux d'élastique dans le clip du moulinet. Et c'est ce rôle d'élastique qui va faire en sorte que si jamais il y a vraiment un gros départ, et ben ça vient pas casser directement le fil, mais il y a l'élastique qui vient faire tampon. Donc c'est ça qui est vraiment top avec cette méthode. Donc voilà ce que ça donne une fois que le montage est terminé. Donc on peut voir qu'ici on a bien nos trois petits nœuds qui sont sur le fil. Et on est venu clipper en fait l'élastique sur le clip.
du moulinet, ce qui fait que l'élastique, comme je vous ai montré tout à l'heure, va venir jouer le rôle de tampon si jamais il y a vraiment une grosse touche, ce qu'on espère fortement. Et donc, voilà, maintenant, on n'a plus qu'à rembobiner tout le fil qu'on a tiré et on va pouvoir lancer. Ok, donc là, c'est bon, on a rembobiné le fil. Maintenant, on peut lancer exactement au même endroit ou quasiment au même endroit pour avoir la bonne distance de lancer. Ouais, on est nickel, là. Voilà, c'est parfait. Donc là, on voit que c'est bienvenu à la butée sur l'élastique. Donc, je suis à la bonne distance. Ok, donc on arrive déjà à la conclusion de cette petite vidéo. Donc c'était une vidéo qui était assez courte. L'idée c'était vraiment de vous présenter l'élastique de marquage pour éviter soit de perdre une canne, soit de casser quand on pêche vraiment au clip sur des pêches un peu plus lourdes, un peu plus nerveuses pour aller chercher des plus gros poissons. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, notamment sur le matos qu'on peut utiliser ou tout ça, on sera vraiment ravis de vous répondre. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, c'est super sympa, ça nous fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Bye bye.